Aujourd'hui, nous, nous sommes convaincus que le Congo a un problème. Et ce problème, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo et il doit partir dans l'immédiat. Les gens de l'Union Sacrée, surtout les hypocrites, condamnent tout le monde et essayent de dédouaner Félix Tshisekedi. Mais nous allons débattre sur quoi? L'incompétence, c'est l'incompétence de Félix Tshisekedi. Et nous, on se focalise sur lui. C'est lui le problème. On ne peut donc pas parler de l'échec, de l'insécurité, de la vie chère, des détournements, sans remettre en cause le leadership de Félix Tshisekedi. Rien de bon ne sortira plus de Tshisekedi. Toutes ces personnes qui veulent vous faire croire que le problème, ce sont les collaborateurs, nous, on n'a pas le temps de débattre avec eux. On n'a plus ce temps. Parce que c'est lui qui les nomme. Nous devons être tous d'accord sur ce point-là. N'oubliez pas que ce sont des experts en manipulation. Et pour manipuler quelqu'un, il faut d'abord semer le doute dans son esprit. Il faut lui faire peur. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et le doute est une semence très dangereuse dans l'esprit d'un être humain. Une fois qu'il tombe dans votre esprit avant que vous ne puissiez le savoir, il se transforme en un grand arbre qui porte déjà des fruits. Il faut éviter. Ces gens ont fait trop de mal à notre pays en 6 ans seulement. Moi, je vous encourage d'ailleurs à rester en colère de façon permanente. Je vous encourage à entretenir, à arroser, à répandre ici et là cette colère comme une épidémie. Quelqu'un a dit au Lébi Passi, une jeune femme, mère d'un petit enfant. Elle a été incarcérée pendant plus de 50 jours, sans être jugée, sans être déférée devant son juge naturel. Une autre personne a détourné plus de 350 millions de dollars. L'État a payé pour lui un billet.